Autour du monde, des amoureux de la lecture apportent des livres aux habitants des îles lointaines, perdus dans l'immensité de la mer. En Suède, l'équipage du navire bibliothèque Rödlöga navigue sur la mer Baltique. Ces marins, pas comme les autres, ravitaillent les populations isolées de mille histoires. En Indonésie, Ridwan, capitaine du Kolik Puji, vogue dans le détroit de Flores, au sud de l'île Sulawesi. Avec des bénévoles et des pêcheurs, il transporte dans ses cales la magie de la littérature. En Europe et en Asie, ces bateaux tissent des liens entre les hommes, avec des milliers de pages et d'histoires. Sur la côte orientale de la Suède, entre le lac Mälaren et la mer Baltique, voici Stockholm. Traversée par d'innombrables canaux, la capitale de la Suède est une ville bâtie sur les eaux. Stockholm fait partie du plus grand archipel de la mer Baltique, qui compte plus de 24 000 îles. Pour voyager à travers cet espace remarquable, une multitude de bateaux sillonnent cette zone maritime. Amarré en plein centre-ville, voici le Rödlöga, un bateau de croisière qui navigue depuis 1951. Ce matin, ce ne sont pas des passagers qui embarquent, mais des livres. Chaque année, pendant une semaine, à l'automne puis au printemps, le Rödlöga se transforme en bateau-bibliothèque. Alors sur ces caisses rouges, vous avez un chiffre. Eh bien, le même chiffre est marqué sur les étagères. Il faut donc les faire correspondre. Annika est la responsable de cette bibliothèque pas comme les autres. Ce matin, avec son équipe, elle réceptionne tous les ouvrages pour la semaine. Alors ici, on manque un peu d'espace. On va enlever ces caisses en premier. Ces caisses-là, Maria, c'est pour lundi et mardi. Donc on les met à part? Oui. C'est le dernier voyage d'Anita sur ce bateau. Dans deux jours, elle passera la main à Maria, une autre bibliothécaire. Là, on embarque à peu près 3000 livres pour le voyage. Mais notre stock global est beaucoup plus important, car il y a tous les prêts en cours. On a vraiment tout ici. Des livres pour enfants, des polars, des livres sur les animaux et la nature, et beaucoup de livres sur les bateaux. On est vraiment comme une bibliothèque classique. Classique ou presque. Pendant une semaine, le Rödlöga va parcourir plus de 200 km à travers l'archipel afin de proposer ses livres aux insulaires. Une véritable bibliothèque itinérante. Ok, les filles. Alors voyons voir tout ça. Ça me semble pas mal du tout. Tout a l'air bien rangé. Au fond, on a le coin enfant. Bon, eh bien bravo, les filles. Vous avez bien travaillé. À la tête du Rödlöga, le capitaine Johan Ackermann. Cela fait 19 ans qu'il effectue ce trajet. Avant le départ,
Il transmet à l'équipe quelques consignes de sécurité. Sur le pont, vous avez des gilets de sauvetage un peu partout. Ici, dans ces caisses blanches. Et on en a mis d'autres là-bas, au fond, parce qu'il n'y avait plus assez de place ici. Vous avez également des bouées de sauvetage. Il y en a tout autour du bateau. Parfois, la mer peut être un peu forte. Mais le plus risqué, c'est de heurter un rocher. Ça peut arriver. Le risque alors, c'est que les livres tombent des étagères, par exemple, et que quelqu'un s'en prenne un sur la tête. On peut se faire très mal. Ce service de prêt de livres mis en place par la Bibliothèque régionale de Stockholm est une vieille institution qui existe depuis 1953. À l'origine, il était destiné aux pêcheurs et insulaires qui ne quittaient jamais leur île. Le bateau bibliothèque lève l'ancre et entame cette première session de printemps. C'est parti pour une semaine de navigation à travers les îles de la mer Baltique. Le navire met le cap vers l'extrême nord de l'archipel. Première étape de cette tournée, l'île d'Arholma, à 80 km de Stockholm. Au sud-ouest de l'île de Sulawesi, en Indonésie, voici le village de Pambuswan. 10 000 habitants y vivent, essentiellement des familles de pêcheurs. Dans ce pays où 17 000 îles, le bateau est le meilleur ami de l'homme. Depuis toujours, la navigation a joué un rôle fondamental pour unifier les nombreux peuples de l'archipel, qu'on nommait autrefois le monde malais. Pambuswan a une particularité, une richesse que ne possède aucun autre village de pêcheurs, une grande bibliothèque. Tous ces livres qui remplissent les rayonnages sont envoyés par des centaines de donateurs. Cette générosité, Pambuswan la doit à son bateau bibliothèque. Ici, dans le quatrième pays le plus peuplé de la planète, la moitié des enfants n'ont accès qu'à des manuels scolaires. Les plus démunis sont toujours ceux qui vivent sur les îles les plus isolées. Le bateau bibliothèque de Pambuswan brave la mer des célèbres pour aller à leur rencontre. C'est cette initiative qui a touché le cœur des Indonésiens. Le soleil va bientôt se lever. Les bagages sont prêts pour un voyage de 4 jours. Ridouane, le capitaine et chef de l'expédition, vérifie son itinéraire. Ici, c'est le village de Pambuswan. On voit le détroit de Mandar. On partira bientôt vers l'île de Tonyaman. Il faudra naviguer plusieurs heures dans le détroit de Mandar pour s'y rendre. En 3 jours, on devra s'arrêter sur plusieurs îles. Ce marin-pêcheur expérimenté est aussi un écrivain, spécialiste de la culture maritime indonésienne. 5 mois par an, il part en mer, loin de sa femme et de ses 3 enfants, pour aller partager le plaisir de lire. À chaque voyage, Ridouane accueille à bord des étudiants bénévoles qui deviennent des membres d'équipage à part entière. Une façon pour le capitaine de reconnecter les jeunes à leur tradition maritime et de les inciter à aimer et à respecter l'océan, qui en a bien besoin. Ici, pas de tri ni de collecte de déchets. Tout est déversé dans l'océan et tout revient. La plage ressemble à une décharge. Ça me rend triste. Et c'est plutôt ironique si on considère ce que je fais dans la vie. C'est comme une claque en plein visage. Parce que j'ai toujours beaucoup de visiteurs ici. Je ne leur cache pas ce problème.
C'est le plus gros problème qu'on a au village et tout le monde en est conscient. Les sacs plastiques et les ordures n'empêcheront pas l'embarcation de Ridwan d'effectuer sa mission culturelle. Mission sacrée pour le capitaine. Après chaque expédition, le bateau est remonté sur la plage, à l'abri des vagues souvent violentes de l'océan Pacifique. Première étape, le remettre à l'eau, une tâche compliquée. Avec une centaine de livres en soute, le Kolik Pudji pèse au moins 4 tonnes. Pour arriver à le mettre à l'eau, l'aide des hommes du village est nécessaire. Il faut une vingtaine de personnes pour mettre le bateau à l'eau. Ça prend environ une demi-heure, peu importe la puissance des vagues. Il faut le mettre sur des rails, mais il peut rester coincé pendant la manœuvre. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à lever l'ancre. Le bateau bibliothèque a quitté la capitale suédoise et son effervescence pour le calme de l'archipel. Il serpente au milieu de multiples îles, récifs ou îlots, qui s'étendent à perte de vue. Pour se repérer, le bateau suit des balises de navigation. Elles signalent les nombreux rochers qui affleurent à la surface de l'eau. Johan Ackerman et son équipe sont sur le qui-vive. Je vois un rocher là-bas au fond. Normalement, il devrait y avoir la balise à côté, mais je ne la vois pas. Ah oui, attention, il est là, juste devant. On a vraiment failli se le prendre. C'était moins une. Je navigue depuis que je suis tout petit. J'ai toujours aimé les bateaux. J'ai eu ma première barque quand j'avais 5 ans. Et je continue toujours à naviguer. Le Rodloga arrive sur l'île d'Arolma, la plus septentrionale de l'archipel. Avec ses maisons traditionnelles en bois et ses forêts de pins, Arolma est une île typique de l'archipel. À peine 70 âmes y vivent à l'année. Une population multipliée par 10 chaque été. Les premiers habitants sont déjà présents. Avec seulement 2 passages par an, le bateau est très attendu. Regarde, voilà Ingrid qui arrive avec ses livres à rendre. Il y en a beaucoup. Bonjour. Tous ces livres ont été empruntés il y a 6 mois.
Ils peuvent en emprunter autant qu'ils veulent. Il n'y a pas de limite. Personne n'a jamais voulu tout emprunter d'un coup. Donc en général, ça se passe bien. Sur le Rodloga, pour emprunter, pas de carte individuelle, mais un compte commun pour tous les habitants de l'île. Chaque résident pourra à loisir échanger ses livres avec ceux de son voisin. C'est vraiment un rituel pour moi de venir sur ce bateau. Je pourrais emprunter à terre, mais c'est un peu plus loin et c'est plus sympa sur ce bateau. Là, je cherche surtout des polars et des thrillers. Après 45 minutes à quai, le Rodloga reprend sa route vers la prochaine île. Le temps pour Annika de dire au revoir à son équipe. On arrive dans des îles vraiment magnifiques. Mais malheureusement, on n'a même pas le temps de descendre pour visiter. C'est une semaine très intense. Ce n'est pas vraiment des vacances d'ailleurs. Annika m'a formée pour reprendre la direction du bateau l'an prochain. Et c'était vraiment passionnant. Fin du voyage pour Annika, qui remet les clés du navire à Maria. Au revoir. Vous allez me manquer. Je vous confie le bateau. Salut les filles. Salut, salut. Ultime étape de cette journée, l'île de Svartloga, à l'est de l'archipel. Une terre isolée battue par les vents, difficile à atteindre en raison des eaux peu profondes qui l'entourent. Une île à l'état sauvage, sans eau courante ni électricité. Karl Mobach est l'une des 7 personnes qui vivent ici à l'année. Ce charpentier, originaire de Stockholm, s'est installé sur l'île avec sa femme il y a 22 ans. Depuis, il ne rate aucun passage du Rodloga. Il n'y a rien sur cette île. Pas d'électricité, pas d'eau courante. Pour avoir de l'eau, il faut la puiser dans un puits. Je n'ai pas d'internet, pas de smartphone, rien de tout ça. Et je suis plus heureux sans. J'aime les livres. On revient dans 6 mois, à l'automne. Entendu. Au revoir. Et encore merci. Fin de journée pour le bateau bibliothèque. Demain, le Rodloga mettra le cap vers le sud de l'archipel, où de jeunes lecteurs l'attendent depuis de longs mois. En Indonésie, le Kolik Puji s'apprête à prendre le large.
Mais le départ est difficile. La mer est agitée. Les vagues repoussent sans cesse le bateau vers la rive. Le moteur ne démarre pas, mais tout finit par s'arranger. Ça y est, c'est bon, on peut y aller. On y va. La mer est encore calme. Avant le mauvais temps qui s'annonce, Ridouane en profite pour enseigner des leçons de voile aux jeunes bénévoles. En étant sur le bateau avec nous, ils peuvent expérimenter le mode de vie de leurs ancêtres. Et encore plus important, ils vont apprendre à apprécier davantage leur pays en apprenant la navigation et en nous côtoyant, nous les pêcheurs. C'est quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu apprendre autrement. Je n'étais pas familier avec la mer et la vie sur un bateau, même si la maison de mon enfant se trouvait en zone côtière. Je n'avais jamais appris tout cela avant. Ici, j'ai appris à interpréter les éléments naturels. En route, un marin fait une offrande plutôt surprenante, un œuf. C'est un rituel immuable pour tous les navigateurs indonésiens. On fait un rituel parce que, en ce moment, on passe dans une zone sacrée sur la côte ouest de Sulawesi. De nombreux pêcheurs croient qu'il y a des esprits ici. C'est notre manière d'obtenir leur permission pour passer et de leur demander de ne pas perturber notre voyage. Le vent commence à souffler fort et les risques de naufrage sont bien réels. La première étape de la tournée du bateau bibliothèque est encore à une journée de navigation. Mais Ridouane doit renoncer. Il prend la décision de changer de cap et se dirige vers un village beaucoup plus proche. Les courants sont de plus en plus forts et les marins ont le plus grand mal à manœuvrer pour se mettre à l'abri dans l'embouchure de la baie, au milieu de la mangrove. Les marins savent s'adapter. Ridouane et son équipage ne reprendront pas la mer ce soir. Demain, c'est ici qu'ils installeront leur bibliothèque ambulante, près de ce petit village, Gonda Mangrove, où l'on cultive la crevette. Le bateau bibliothèque poursuit sa tournée printanière. Il rejoint l'île de Swartzo, l'une des plus grandes de la partie centrale de l'archipel. Swartzo est une vaste plaine où se succèdent lacs intérieurs, forêts et terres agricoles. Véritable havre de paix, c'est une destination prisée des Suédois l'été.
c'est aussi une des rares îles de l'archipel à posséder une école. En tout, 22 élèves de 4 à 18 ans cohabitent dans cet espace privilégié. On a tous les livres, c'est parti! Annette, maîtresse en maternelle, accompagne Kias et Sven pour leur première visite du Rodloga. On a une petite bibliothèque à l'école, mais ça ne suffit pas. Et les enfants aiment bien emprunter de nouveaux livres. On lit beaucoup en maternelle. Bonjour, je vous prends les livres? Regarde celui-ci, Sven. Il t'intéresse? Oui. Et voilà, c'est fini. Oh, ça bouge, maîtresse. Eh oui, c'est parce qu'il y a du vent dehors. Comme c'est très loin pour nous d'aller dans une autre bibliothèque, c'est vraiment extra que ce bateau puisse venir sur notre île. Les ados profitent également de cet espace. Emilia a 12 ans, et pour cette fille d'agriculteur, rien ne remplace un livre. Pour moi, c'est super important de venir sur le bateau, parce que je lis beaucoup. Je trouve que c'est mieux pour l'environnement d'emprunter plutôt que d'acheter. Et personnellement, je préfère lire des vrais livres plutôt que lire sur mon smartphone ou écouter des fichiers. Véritable lien social, le Rodloga semble remplir parfaitement sa mission de bibliothèque de proximité. La difficulté ici, c'est d'avoir des livres pour tous les âges dans un espace réduit. Et là, ça fonctionne plutôt bien. Quand tout le monde part avec un livre, c'est là qu'on voit qu'on a réussi. Pour assurer la diffusion de ces livres, le bateau peut aussi compter sur des relais précieux. C'est bon, tu as assez de cordes pour nous amarrer? T'es sûr que c'est bien attaché? Ouais, c'est bon. À Inmarxe, Karine Lagerberg, 70 ans, gère depuis 10 ans la petite bibliothèque de l'île. Cette productrice de tomates profite du passage du Rodloga pour compléter son fonds. Voilà, je vous rends tous ces livres. Tout cela, vous pouvez les réemprunter si vous voulez. Non, je les ai tous lus, je vais en choisir d'autres. Tu cherches quelque chose de léger? Oui, je cherche un livre érotique soft. Ah, ben ça, il faut demander aux filles, moi, je sais pas. Le bateau est important pour nous. Nous avons une bonne bibliothèque, mais là, c'est un bon complément. On n'a pas assez de place pour stocker trop de livres, de toute façon. En tout cas, pour nous, ce bateau, c'est un peu comme le Père Noël qui passerait au printemps. Allez, à bientôt, à prochaine fois. Karine a fait le plein de livres pour les 6 mois à venir, jusqu'au prochain passage du bateau. Avant de rejoindre la prochaine île, le capitaine fait un détour par un bras de mer exceptionnel. Entre les îles Meuya et Södermeuya, ce canal protégé révèle un décor enchanteur. Andrés, le skipper, connaît bien ce passage. Il faut un peu slalomer entre les pierres ici. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de naviguer. C'est vraiment un endroit remarquable, très caractéristique de l'archipel.
Je pense vraiment qu'il faut montrer ça aux gens. Fin de journée pour l'équipage du Rod Loga. Britt-Marie est bibliothécaire à Vaxholm, une île proche de Stockholm. Pour ce séjour, elle s'est portée volontaire pour être la chef cuisinière du bateau. Alors, écrasé de pommes de terre à l'échalote et huile d'olive, et le saumon au pesto de petits pois et roquettes. Bravo à tous pour votre travail. Smedhänder. C'est super, car on a tous cette envie commune que ça fonctionne. Et on a tous envie de proposer ce service aux gens le mieux possible. Demain, le Rod Loga poursuivra son périple jusqu'à son retour à Stockholm. Pour l'heure, c'est sous un clair de lune de printemps que toute l'équipe s'endort. De retour en Indonésie, sur l'île de Sulawesi, l'équipage du Kolikpuji s'apprête à se lever. Il est 5h30 du matin. Aujourd'hui, c'est le grand jour. L'équipage a rendez-vous avec ses lecteurs. Wana, une jeune bénévole de 25 ans, prépare les repas pour ses 8 coéquipiers. Au menu, tempeh et riz. Je me suis engagée sur ce bateau pour aider Redouane. Notre mission nous tient à cœur et j'y participe comme cuisinière. Mais on n'a pas encore de réfrigérateur. Alors hier, on a apporté avec nous des œufs et des nouilles pour cuisiner. Pour avoir un repas frais, il faut parfois acheter des ingrédients auprès des villageois près d'ici. L'année dernière, la jeune femme a proposé son aide au capitaine Redouane. Élevée par un père pêcheur qui l'emmenait fréquemment en mer, elle veut aujourd'hui partager son expérience maritime. Redouane et son équipe n'ont pas une minute à perdre. Ils acheminent livres et matériel vers la plage pour établir le camp de lecture. Les enfants sont fous de joie. Ils connaissent bien ce joli bateau amarré dans la baie et tous les trésors qu'il transporte. Je veux un livre sur les coraux. C'est la 5e fois que le bateau bibliothèque passe dans leur village. Les enfants s'impatientent. Ils s'emparent des premiers livres déposés et plongent dans ces univers de papier qui les font voyager. Je lis un livre sur les tunnels. Et tu l'as déjà lu, ce livre ? Non. Tu as des livres chez toi ? Non, j'ai pas de livres à la maison. Il y en a à l'école.
mais ce sont des livres sur les mathématiques. Les quatre étudiants aident les jeunes à choisir leurs livres ou leur donnent un coup de main pour la lecture. Ce sont surtout des livres pour enfants, mais il y a aussi des livres pour les adolescents. En premier lieu, on privilégie les livres qui sont visuellement stimulants pour les enfants, ceux qui sont colorés et remplis d'illustrations. On préfère également les livres à reliure cartonnée, parce qu'il arrive que les enfants aient les mains mouillées lorsqu'ils les manipulent. Contrairement à la moitié des enfants de son pays, Ridwan a eu la chance d'entrer dans le monde des livres très jeune. Sa mère était enseignante. Aujourd'hui, face au bonheur des enfants, il a du mal à cacher son émotion. Ça me rend heureux. Ça nous touche beaucoup. Ça nous inspire de voir les enfants tenir un livre et lire à haute voix. C'est merveilleux. Quand on voit ça, on sait que quelque chose sera différent après notre départ. Les enfants m'inspirent beaucoup. Je ne suis pas payé pour faire ça, mais c'est une expérience qui apporte beaucoup de positif. C'est une expérience extraordinaire. Et ça nous donne l'énergie de continuer. Le bateau bibliothèque entame la dernière ligne droite de son marathon des îles. Pour Maria et son équipe, chaque matinée est l'occasion de revoir l'itinéraire du bateau afin de l'optimiser. Tu vois, Maria, là, je trouve qu'il y a un peu trop de temps entre ces deux îles. Oui, absolument. On retourne toujours dans les mêmes îles. On a un itinéraire bien travaillé. Mais on le regarde souvent pour voir si on ne pourrait pas rajouter des îles plus éloignées. Mais avant, il faut en parler au capitaine. Plusieurs bibliothèques insulaires ont récemment fermé leurs portes et certaines écoles peinent à renouveler leur stock de livres. Le Rodloga est donc plus que jamais indispensable. Tiens, Louise, voilà ton ticket. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de disponible ? Je pense aux personnes âgées qui vivent sur l'île, à mon papa, à ma maman. C'est important pour eux. C'est vraiment un trésor culturel d'avoir un bateau qui vient deux fois par an. C'est pour ça aussi que j'emprunte des livres, pour soutenir l'activité. Mais qu'est-ce que tu nous racontes encore comme histoire ? Des histoires. Ah, c'est ma maman. Ça fait des années que je lis. Avant, je tenais même la poste sur l'île. Et j'avais improvisé une petite bibliothèque dedans.
Depuis plus de 50 ans, des bateaux bibliothèques comme le Rödlöga sillonnent l'archipel de Stockholm pour apporter aux insulaires ce service culturel si précieux. Il a l'air lourd, celui-là, non? Pas trop. Plutôt un des moins lourds, en fait. Une tradition restée ancrée dans l'esprit des plus anciens habitants. Eva Westin effectue ce rituel depuis des décennies, avec toujours le même enthousiasme. Vous voulez un sac? Non, j'ai ma caisse, regardez. Ah oui, c'est mieux que les sacs en plastique. Je pense à un livre pour vous. Peut-être ici. Ah, c'est à ça que tu penses? Oui. Je pense que ça peut vous plaire. Nous ne sommes plus que 5 personnes à être enregistrées sur l'île. Mais heureusement, beaucoup de retraités viennent dans leur maison secondaire, presque toute l'année. Moi, maintenant que je suis là, je ne partirai plus. Le Rödlöga gagne les récifs de l'île de Sandam. Un port de plaisance devenu célèbre pour ses polars à succès. Pour Maria et son équipe, c'est bientôt la fin du séjour et l'heure du bilan. J'ai apporté de quoi noter. Si vous avez des suggestions ou des commentaires pour la prochaine fois. Je pense qu'on devrait prendre plus de temps avec les gens et pas seulement être assise derrière la table des retours. Il faudrait aussi trouver un endroit pour stocker les retours rapidement, sans avoir à les ranger tout de suite. Bon, ça y est, c'est la fin du voyage. En tout cas, je trouve qu'on a fait un bon travail pour une première fois. Je suis très contente. Il faut continuer comme ça, tout simplement. C'est probable que l'on retravaille ensemble à nouveau. En tout cas, je l'espère. Le Rödlöga quitte Sandam et continue sa route. Ce navire de la connaissance poursuit sa mission à travers la mer Baltique, celle d'aller au plus près des habitants et à travers la lecture, continuer de les faire rêver. À Gonda Mangrove, sur l'île de Sulawesi, dans le sud de l'Indonésie, l'équipage du Kolik Puji aimerait reprendre la mer au plus vite, mais les conditions climatiques se détériorent. Le départ est retardé. La météo s'annonce vraiment mauvaise pour les prochains jours. Avant de partir, les hommes de l'équipage décident de se rendre à la mosquée. Ils traversent des bassins de culture de crevettes, la principale source de revenus des villageois du coin. Il faut faire vite, ils sont en retard. Car même loin de chez eux, rien ne justifie qu'ils ratent la prière du vendredi. C'est obligatoire pour les hommes musulmans. Mais la distance entre ici et chez moi est de moins de 75 km. Alors ça me permet de ne pas désobéir à cette règle de l'islam. On demande la bénédiction de Dieu pour arriver sain et sauf.
On lui demande la prospérité et la chance pendant que nous serons en mer. Cari ini tiga ya, bisa di sini ya, solo nih kawan nak ya, belok ini ya. Les enfants peuvent encore profiter des marins bibliothécaires qui organisent pour eux un dernier jeu: dessiner les images et les couleurs inspirées par les livres. Il est temps maintenant de plier bagages, de ranger les livres qui seront bientôt entre les mains d'autres enfants. Mais l'océan, encore une fois, dicte sa loi. La sécurité passe avant tout quand vient le temps de prendre la mer. La météo peut tout changer. Pour le moment, la température n'est pas très favorable. Le vent est trop fort pour prendre la mer. C'est pour cette raison qu'on doit être flexible dans notre organisation. Ridouane décide d'annuler la tournée du bateau bibliothèque et de rentrer au port. Si on voulait aller là-bas, comment on devrait positionner la voile? Pour le moment, elle est à droite. Alors, faut la positionner à gauche. À gauche? Oui. Le voyage du Kolikpoudji a tourné court, mais le capitaine va reprendre la mer au plus vite, car d'autres enfants attendent ses livres, et il ne veut pas les décevoir. Sur la mer Baltique en Suède, ou sur la mer de Florès en Indonésie, des bateaux bibliothèques voguent vers des îles toujours plus éloignées. À bord, des marins amoureux des livres ouvrent l'imaginaire et élargissent l'horizon de ceux qui vivent loin de tout.